Oui, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas, vous l'avez bien vu dans le titre, je défie les deux. Eh ouais, Cyprien, Squeezie, si jamais vous passez par là, eh ben je vous défie. Eh ouais, au Nup Quiz. Il est bien son petit jeu quand même. Et franchement, comment que ça déchire le Nup Quiz, j'y ai jamais joué, mais je sens que ça va être good. Mais avant cela, mesdames et messieurs, la populace de YouTube a parlé. Allons tout de suite voir sur cette vidéo. Et voyons voir quel mot que je pourrais écrire ici et ressortir en top commentaire. Eh bien, c'est très joli comme décor. Non, ça c'est pas celui-là, mais c'est moi qui l'ai épinglé. Franchement, j'aime bien. Tu pourrais marquer Cochon, Krabi et MM pour Marie-Madeleine. Like si tu aimes, clin d'œil. Vous savez ce que je vais vous dire? Des fois, je me regarde et je me demande si je suis pas un peu fou dans mes vidéos. Et puis, je regarde vos commentaires et finalement, ben, ça va mieux. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, bougez pas. Allô? What? Connasse! Bon, ok d'accord, c'est rien, c'est des arnaques téléphoniques des démarcheurs, ne répondez jamais à ça. Très bien, effet spécial de qualité, j'ai écrit Krabi avec un K parce que bah j'avais plus de C, tout simplement. Mais c'est cool quand même. Allez, on est parti sur le Nup Quiz pour défier Cyprien et Squeezie, c'est parti. Alors, avant de commencer, comment t'appelles-tu? Eh bah bien entendu, on va mettre Jolat, bien tranquillement. Ok, tu t'appelles bien Crotte Sèche? Oui, c'est ça, oui. D'accord, c'est parti pour le... C'est parti pour le quoi? Ah, et d'accord. Ouvrir. Ok, donc on est parti pour la question de 1 à 10. Eh bien, c'est parti, let's go. Alors, 2 plus 2, facile. Tu as compris le principe du jeu, tu es très perspicace. Merci bien, Cyprien, ça fait plaisir. Question numéro 2, attention. Quel est cet animal? Alors, j'ai déjà vu une vidéo là-dessus. Je sais plus, fallait le retourner dans un sens ou dans un autre. Oui, j'ai déjà vu une vidéo sur le jeu, ça va. Bon, je suis pas trop spoilé non plus, mais il me semble que c'est un éléphant. Ah, regardez, je le savais. Regardez. Bon, d'accord, c'est la seule question que j'avais vue. Ok, les autres, j'ai pas vu. On reconnaît aisément l'éléphant grâce à sa célèbre trompe et ses fameuses échasses. Ok, d'accord. Question 3. Classe-les du plus léger au plus lourd. Un tank de l'URSS. Une pomme en pomme. Une pomme en plomb. L'humour du présentateur. Ok, du plus léger au plus lourd, d'accord. Bon, on va mettre une pomme en pomme, une pomme en plomb, un tank de l'URSS et l'humour du présentateur. Comment ça, je suis quelqu'un de lourd? J'ai un humour très raffiné. Question 4, attention, c'est parti. Associe le bon talent à la bonne personne. Pour l'instant, j'ai fait aucune faute. Hein. Alors, Rembrandt, c'est la peinture. Michael Jordan, c'est le basketball. J'y vais par élimination. Hein. Kim Kardashian, non, c'est pas le sprint ni la sculpture. Ça, c'est sûr. Usain Bolt, c'est le sprint. Donc, par élimination, je dirais que Auguste Rondin, c'est la sculpture. Yes, si tu as réussi à trouver le talent de Kim Kardashian, contacte-moi, je cherche toujours. C'est excellent. Franchement, il est trop bien, ce petit jeu, là. Laquelle de ces Barbie n'existe pas? Barbie caissière au McDonald's? Bah, je dirais Barbie caissière au McDonald's, direct, mais bon. Barbie secrétaire? Barbie présidente des États-Unis? Barbie nutritionniste? Barbie caissière au McDonald's, de quoi? Non, non. Sérieux? Arrête. Bah, Barbie présidente des États-Unis, alors. Non. Arrête. Attends, Barbie caissière au McDonald's, ça existe? Barbie caissière au McDonald's? Oh, putain, si. Arrête tes conneries, jure, ça existe? Ah ouais, mon vieux. Ce délire, Barbie caissière au McDonald's, quoi. Non. Bah, je savais pas. Bon, on apprend des choses dans ce petit jeu. Barbie nutritionniste. Non, Barbie secrétaire. Non. Putain. Game over. Bon, ok, du coup, je suis retourné à la question, on était pas loin. Bon, bah, visiblement, c'est Barbie nutritionniste. Ah ouais, effectivement, Barbie n'a jamais donné de conseils diététiques, mais elle a bien été caissière au McDonald's en 1983, secrétaire en 2007 et présidente des États-Unis en 2012. Ah ouais, bah tu me diras, elle a fait tellement de trucs, Barbie. Retiens ce numéro. 18... Mais attends, bah non. Non, j'ai pas lu. J'ai pas lu, mon vieux. Reviens. J'ai pas lu. Attends, on recommence. On recommence. J'ai pas eu le temps, mon vieux. Je sais qu'il y avait 18... Je regardais pas l'écran, en fait. Bah ouais. 18, nope. Bah ouais, bah vas-y, je regardais pas l'écran. Question numéro 7. On tient le bon bout, les gens. Depuis combien de temps joues-tu? Bah ça fait pas 49 minutes ni 48 minutes. Vas-y, 48 minutes, mais c'est pas vrai. Bah non, 49 minutes et 52 secondes. Non, non, mais ça fait... Bah aucune des réponses, mon vieux. Ça fait même pas 10 minutes. Attends, quoi que je l'ai laissé AFK un bon bout de temps, le machin. Game over. Bah, y avait aucune des réponses, c'est pas possible. Alors il est vrai que j'ai commencé l'enregistrement du jeu, je l'ai laissé AFK un petit instant pour aller me chercher un petit verre de menthe, histoire de me rafraîchir entre deux questions.
D'ailleurs, il est toujours frais, mais j'en ai pas eu pour 49 minutes. C'est quoi ce délire? Alors là, par contre, Cyprien, Squeezie, si vous passez dans le coin, il y a une arda quelque part, mon vieux. Ok, on arrive à la question depuis tout à l'heure. Depuis combien de temps joues-tu? Ah ouais, bah c'est possible, putain, je l'ai laissé à FK tant de temps. Bah tu me diras, c'est vrai que j'ai été me faire couler un café, je me suis servi un petit verre de menthe, j'ai mangé des petits gâteaux, j'ai fumé une petite cigarette, après je suis descendu, j'ai dépillé mon décor et tout. Ouais, c'est possible, j'ai allumé mes lumières. C'est possible, y'a moyen, y'a moyen. Bah écoute, je dirais 52 minutes. Oh yes! Déjà, le temps passe si vite avec moi. Bah tu m'étonnes. Grave, le temps passe vite. Mais c'est 52 minutes d'AFK, hein, c'est sûr. Hein. Franchement, j'ai joué quoi? J'ai joué 10 minutes, quoi. Ok. C'est quoi, ça? D'accord. Ok, devenir surveillant, .fr, non? Non, 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 ça ira. Non, c'est bon. Ça ira. Ok, d'accord. Quel drapeau n'existe pas? J'allais dire sans hésitation, mais... Je dirais celui-là. Non! Ah bah celui-là. Non! Arrête! Jure! Eh mais il est trop dur ton jeu Cyprien là, franchement là. Il est super chaud, je recommence. Ok, on retourne à la question 8. Quel drapeau n'existe pas? Celui-là, c'est vrai que il me dit rien non plus là. En fait, c'est la flèche bleue qui me perturbe là. Ouais, yes! Les étoiles, ça fait crédible, mais on ne te la fait pas à l'envers. Le drapeau du Bangladesh, en plus d'être repompé sur celui du Japon, n'est pas centré. La honte. Ok, d'accord. Question 9. Attention. Lequel de ces films ne met pas New York en danger? Avenger, Volcano, Thor 2, Man of Steel, sans hésitation, je dirais Star Wars 7 déjà. Voilà. Man of Steel, si. 2012, si. Cloverfield. Ah non! Ok. Donc c'est. Volcano, c'est à New York. Avenger, c'est à New York. Thor 2. C'est à New York. Man of Steel. C'est pas New York, Man of Steel? C'est Man of Steel alors. Ah ouais, c'est Man of Steel. Ok, d'accord. 2012? Non, 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 2012, non. Non, Volcano, c'est avec le volcan. Thor 2 alors. Ah, Thor 2 aussi, ok. Bah, Volcano, c'est à New York aussi, non? Avenger, Cloverfield. Donc c'est pas 2012. Avenger? Bah non, bah oui! Mais attends, bah. Mais oui! Mais oui, c'est clair. Ok, on reprend à la question 9. Donc, il y avait Star Wars, Thor 2. Man of Steel, pas Volcano. Volcano? Volcano, bah arrête tes conneries. Des planètes sont entièrement détruites dans Star Wars, mais heureusement que ça se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine. Bah dans Volcano, c'est pas le truc avec les volcans et tout là? Avec merde, comment qu'il s'appelle l'acteur là? Celui qui joue avec Will Smith dans Independence Day là, Putain, j'ai perdu son nom. Ok, d'accord. Question 10, on arrive à la 10ème question. Comment construire une tour? Avec des allumettes, avec des briques, avec du ciment, avec un architecte. Avec un architecte? Ah, il y a plusieurs réponses, d'accord. Avec du ciment? Et il y a un piège là, parce qu'on peut construire une tour avec des allumettes. Par contre, une tour avec des briques? Peut-être des tours au Portugal? Mais j'y crois moyen. Avec des briques aussi? Ah bah ouais, bah... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que des bonnes réponses? Hein? Ça y est, c'est fini? Attends. Ah, d'accord! Ah, bah oui! Ah, d'accord, on peut la construire comme ça! Ah ouais! Quelle belle tour! As-tu songé à te reconvertir dans le BTP? Pas mal! Pas mal, pas mal! Ok, d'accord. Sympa! Admirable! Oh, j'ai reçu un cadeau! My God! Merci, Cyprien! Ça fait plaisir! Tu as gagné un vieux bonbon trouvé au fond de ma poche. Le vieux bonbon dégueulasse avec le papier décollé et tout. Ah, je connais. Je le connais, ce bonbon. Ok, d'accord. Et bah, ah, yes! J'ai dévoré la question 11 à 20. Et bah, franchement, c'est super cool. Eh, mais déjà, voilà comment j'ai galéré pour la question de 1 à 10. Franchement, sur ce coup-là, j'ai foiré un petit peu, on va dire. Bon, en tout cas, les gens, on va s'arrêter ici pour la vidéo sur Nob Quiz. En tout cas, c'est bien cool. Squeezie, Cyprien, si vous passez par ici, on sait jamais. Et ben, je vous défie, ça pourrait être cool. Mais je crois qu'ils ont déjà fait bien mieux que moi. Donc, je suis un petit peu en retard sur ce coup-là. Mais c'est pas grave. En tout cas, les gens, si la vidéo vous a plu, et ben, oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Enfin, plutôt maintenant, un cochon Krabi. Voilà. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, c'était le message de fin. Putain, ça fait chier quand même, je viens de finir mon montage et il me reste 5 secondes à caler. Arrête la drogue! Enfin bon, maintenant ça devrait le faire. Oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Soutiens les gens, s'il vous plaît. Allez, bisous.